bonjour à tous et à tous. Je suis Jojo. Oui, c'est Jojo. Je vais dire bonjour à tout le monde, ok? Et que ce soit quand même. A plus, chier à dehors. Bonjour. Dis bonjour. Non, on ne peut pas au portable. Bon, allez, c'est vrai. Ah, attends, j'ai besoin, j'ai ça parce que là, mais là. Tiens, mon ami, j'ai pas tous les poils, hein. Tu m'as mis, j'ai pas tous les poils, hein. Tiens. Donc, je vais vous raconter une autre histoire. Alors, c'est l'histoire de moi, bien sûr, si je suis dedans. Non, moi, ça m'est arrivé. J'étais comme. Laissez-moi réfléchir. Je vais vous raconter l'histoire que quand j'ai suis né. Ouais, quand je suis né. Vous allez me le dire. Mais comment on peut faire naître un enfant comme ça? Mystère. Non, résolu. Ouais, voilà, Charco, il a rien fait, Charco. Ni Chirac, voilà, cherchez. Ni Ségolène Royal, c'est une grosse poupée. Ouais, bon, voilà. Donc, j'y vais. Je suis dans le ventre de ma maman. Ouais, c'est comme ça. Je vais comme ça. Comme ça, ouais. C'est comme ça, dans le ventre de ma maman. Et qu'est-ce que je fais? Je m'étire. Mais en m'étirant, je déjacque la chatte de ma mère. Donc, elle crie, elle fait. Voilà, elle fait comme ça. Mon père, j'arrive. Elle lui dit, je perds les joues! Je perds les joues! Elle dit ça, ma mère. Moi, je comprenais déjà, je sais pas pourquoi. Je regarde derrière moi. Je regarde tous les autres qui sont autour de moi. Au canot, les j'y tombais. Enfin, non, c'était l'eau pour moi. Je vois de quoi partir. Je voyais l'eau en train de descendre. C'est ça. Comme un poisson. Je ne pouvais pas sortir. Que ça. Je sors devant ma maman. C'est comme ça. Vous savez, quand on sort de la maman, on sort d'abord par la tête. Donc moi, c'est vrai. Ils croyaient que mes pieds étaient assis. Ils croyaient qu'ils étaient handicapés. Franchement. J'allais me couper la tête pour en mettre une autre. Franchement. Donc après, il y a un long couloir. La porte qui s'est ouverte. Un long couloir. Mais très long. Hein. Je pars ce coup-là. Je glisse par terre. Avec le tendon qui s'est accroché à mon ombril. Comme à la tyrolienne. Voilà. Après, je suis toujours le pied. Qui fait. Et moi, je suis en tout arrière. Je retourne par terre. Elle me ramène comme ça. Que je vois, je tourne la tête. Qu'est-ce que je vois? Il y avait le bébé qui faisait l'amour avec un autre bébé. Ouais. Ah là là, franchement, c'est choquant. C'est pas la première fois. Et le bébé! Et le bébé! Je suis. Le bébé, c'est un super macho joué encore. Mais comme ça, mais on ne voyait pas. Je l'ai vu à la loupe. Une loupe de pro. Qu'est-ce que me veut? Je continue, moi. Voilà.
après. Hein? Après, il me tire, mais un coup énorme. Je passe, boum. Et je re-rentre dans le ventre de ma maman. Pas chachac. Et je ressors par sa bouche. Donc elle est morte. Quand je coupais. Après, je signerai ma mère. J'avais oublié que j'étais encore 2 ans. Bon, c'est pas grave. Après, elle m'a retiré du feu. J'ai grandi en quelques secondes. Je sais pas pourquoi. Voilà, après. Que je fais? Et maman, dans un truc, je sais pas ce que c'est, sinon on met les bébés. On met les bébés pendant un certain temps. Ferme la porte et les lumières. Plus un bébé qui pleure. Voilà. Ils dorment tous. Ils ferment la porte, l'autre. Mais qu'est-ce que je vois après? Les bébés, ils dormaient pas! Ils faisaient semblant de dormir! Ouais! C'est pas fini. C'était mais une grande, mais grande, mais grande partout. Ouais, une grande partout. Ouais. Prends le concombre. Ouais, concombre. Un gros concombre, hein. Ça. Ah, c'est comme ça, hein. Non, comme ça. Voilà. Le concombre. En gros, hein. Je me demandais à quoi ça servait. Ils ont embroché 3 bébés. Ouais, j'arrive. En fait, et passé par le cul, par la bouche. Par le cul, par la bouche. Et par le cul, par la bouche. 3 sur le même concombre. Ouais, le même concombre. Le même concombre. Après. Hein? Après, il y a une boule disco. Une boule disco. Ça. Ouais. C'est tellement, j'admire tellement la boule que j'oublie mon corps. Qu'est-ce que je me vois que je me retourne? Un bébé qui m'a cru. Ouais, ça. Maman, maman, non! Après, ce con, il m'a trouvé le cul. J'en pouvais plus. Et après, je me suis évanouie. J'ai vomi sur tous les bébés. J'ai sué tous les bébés, et je me rendors, et voilà. C'est la fin de mon histoire. Enfin non, après je m'éveille. Je prends le parachute, et je fais... Et je suis dans une famille d'accueil. Et ben putain, pas de chance.